Bonsoir à tous. Donc, je suis très heureux ce soir de vous accueillir à la conférence sur le RGPD et la santé, co-organisée par l'Association des anciens de l'IAE de Paris, le cabinet Alain Bensoussan spécialisé dans le droit de l'Internet et le réseau DNExpert, formé d'experts dans les dispositifs médicaux. Avant, je sais que vous êtes là pour écouter les intervenants. Mais avant, je vais vous dire quelques mots sur l'IAE de Paris, qui est une formation complémentaire en management, aussi bien pour des ingénieurs, des juristes ou des diplômés dans les sciences de la vie. Et le Club Santé rassemble tous les anciens de l'IAE intéressés par le domaine de la santé et aussi des personnels externes pour des conférences sur des sujets d'actualité. Et qu'est-ce qu'il y a de plus d'actualité que le RGPD, qui doit être appliqué à la fin mai. Et donc, nous sommes très heureux ce soir d'être accueillis dans les locaux du cabinet Alain Bensoussan, spécialisé dans l'Internet. Et je dois remercier aussi la directrice du système informatique, Madame Fontanelle, qui nous permet d'avoir cette conférence à distance. Et je voulais aussi remercier particulièrement Denis Durand-Viel, qui est président du réseau DNExpert, qui a été vraiment la cheville ouvrière de cette conférence. Mais je ne suis pas là pour parler de moi, mais plutôt vous attendez les conférenciers. Donc il va y avoir 3 conférences d'une vingtaine de minutes, et ensuite vous pourrez poser des questions. Et donc on va commencer avec la première conférencière. Ah, mais avant, vous n'avez pas besoin de prendre des notes, puisque sur la dernière diapositive, vous aurez un lien et vous pourrez télécharger tout de suite toutes les présentations. Alors maintenant, je vais passer la parole à Maître Marguerite Braque de la Perrière, qui depuis 2011 est directrice du département santé numérique du cabinet Alain Bensoussan. Maître de la Perrière. Merci Alain. Aussi en dessous.
Alors, bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux. Merci à ceux qui nous suivent à distance. J'ai la lourde tâche de vous présenter le RGPD de manière un petit peu générale d'abord, et puis de manière plus spécifique pour le secteur de la santé, donc la déclinaison un petit peu plus opérationnelle santé dans un deuxième temps. En premier lieu, de quoi on parle ? On parle de tous les traitements de données à caractère personnel. Les données à caractère personnel sont les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable. Et les traitements sont toutes les actions sur ces données, de la collecte à l'effacement, à la structuration, à l'enregistrement, l'hébergement. Donc la liste n'est pas exhaustive, donc tous les traitements sont concernés. Quel périmètre d'application pour ce règlement. Règlement qui est donc d'application immédiate, qui n'a pas besoin d'être transposé en droit national et qui donc s'appliquera à compter du 25 mai 2018. Ce règlement s'applique à tous les traitements qui sont réalisés sur le territoire de l'Union européenne, mais également à tous les traitements de données effectués dans le cadre des activités d'un établissement, d'un responsable de traitement ou d'un sous-traitant qui est sur le territoire de l'Union européenne, et enfin à tous les traitements qui concernent des personnes physiques qui sont sur les territoires de l'Union européenne. C'est là qu'on voit que ça va en fait toucher le monde entier. Quels sont les principes de ce règlement européen ? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce règlement européen n'est pas une révolution. Les principes fondateurs du règlement européen sont les mêmes que ceux de notre loi informatique et liberté, qui date de 78 en France, et de la directive de 95, transposée en droit national en 2004, qui déjà prévoyait également ces principes. Donc ces principes, ce sont ceux de traiter les données avec loyauté, licéité. Le règlement a ajouté la transparence pour des finalités qui sont déterminées, explicites et légitimes. Donc le principe a été rebaptisé limitation des finalités. Seules les données qui sont adéquates, pertinentes et nécessaires pour un traitement ne peuvent être traitées. C'est le principe de minimisation. Les données, évidemment, doivent être exactes et, le cas échéant, tenues, à jour, mises à jour. C'est un principe d'exactitude. Et bien sûr, les durées ne doivent pas être conservées plus longtemps que les finalités ne l'exigent. C'est un principe de limitation de conservation. Le règlement européen est venu préciser, évidemment, que les données doivent être, au niveau des principes généraux, que les données doivent être traitées de manière sécurisée. Et cette sécurisation doit être réalisée de manière appropriée au contexte du traitement. Donc les mesures techniques et organisationnelles appropriées au traitement doivent être prises. C'est là qu'on voit qu'il va falloir contextualiser son approche. Et la grande nouveauté du règlement, c'est que le responsable de traitement doit être en mesure de démontrer le respect de ces principes à tout moment. Les conditions de licéité du traitement, c'est-à-dire qu'aucun traitement ne peut être réalisé sans que l'une d'entre elles, au moins, ou plusieurs, ne soient réunies, sont les suivantes. Le consentement de la personne concernée, un cadre contractuel ou des mesures précontractuelles, ou une obligation légale qui pèse sur le responsable de traitement, la sauvegarde des intérêts vitaux d'une personne, le cas échéant, une mission d'intérêt public, ou les intérêts légitimes du responsable de traitement, sous réserve qu'une balance soit faite entre ses intérêts et ceux de la personne concernée. Il ne faut pas que ça affecte de manière trop significative les droits et libertés des personnes physiques. Quels sont les objectifs de ce règlement ? Le règlement a trois principaux objectifs que je vais vous présenter. Le premier d'entre eux, c'est de placer les personnes au cœur des traitements. Le second d'entre eux, et de responsabiliser les acteurs, et le troisième est de crédibiliser les autorités. Donc, le premier principe, donc placer les personnes au cœur des traitements.
Qu'est-ce que ça suppose en premier lieu? Ça suppose un droit à l'information, mais également tous les droits qui étaient prévus par la loi de 78 qui n'étaient pas nécessairement respectés jusqu'alors. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait le consentement quand c'est nécessaire, offrir un droit d'accès, offrir un droit d'opposition pour des motifs légitimes, offrir un droit de rectification, qui est le corollaire du principe d'exactitude, offrir un droit à l'effacement, un droit de porter plainte, et puis des nouveaux droits, tels que refuser un traitement qui est exclusivement automatisé et qui va avoir des effets juridiques sur la personne concernée, donc avec des algorithmes, et aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, ça va vous parler, le droit de retirer son consentement, le cas échéant, le droit à la portabilité. Alors, c'est un droit qu'il faut, qui est finalement plus restreint que ce qu'on peut imaginer parce que ce droit concerne uniquement les données qui ont été fournies par la personne concernée au responsable de traitement, pas celles qui ont été produites par le responsable de traitement. Par exemple, si on prend l'exemple d'un laboratoire de biologie médicale, ce sont les données que vous avez fournies au laboratoire, donc les données démographiques, mais pas les résultats d'analyse. Et puis, un droit à la limitation du traitement. Alors, préalablement à la mise en œuvre d'un traitement, vous êtes, en tant que responsable de traitement, dans l'obligation, évidemment, d'informer les personnes concernées sur le traitement que vous allez mettre en œuvre. L'article 13 du règlement européen prévoit effectivement toutes les mentions d'information qui doivent figurer. Et donc, elles portent sur celles qui étaient déjà prévues par la loi informatique et liberté, donc l'identité évidemment du responsable, les finalités du traitement, le caractère obligatoire ou non des réponses, de la fourniture des données, les conséquences en cas de défaut de réponse, la durée de conservation, les transferts s'il y en a en dehors de l'Union européenne, vos droits en tant que personne concernée, c'est-à-dire accès, rectification, suppression, porter plainte, etc., ce qu'on vient de voir, les destinataires des données, la possibilité, le cas échéant, de retirer son consentement, s'il y avait eu consentement, les directives après décès, et puis le règlement est venu ajouter encore des mentions d'information à fournir aux personnes concernées, donc l'existence d'un DPO et ses coordonnées, puisqu'il va être effectivement un référent pour les personnes concernées, le DPO étant un délégué à la protection des données chez les responsables de traitement et en matière de santé, ça va être obligatoire. Les intérêts légitimes lorsque le traitement est fondé sur les intérêts légitimes du responsable de traitement, un droit de réclamation, la prise de décision automatisée du traitement le cas échéant, l'origine des données si elles ne proviennent, si elles n'ont pas été collectées directement par le responsable de traitement, et une éventuelle finalité ultérieure, par exemple la recherche. Alors, toutes ces informations doivent être fournies sous une forme concise, en des termes simples et clairs, et aisément accessibles, compréhensibles, donc adaptées aux personnes auxquelles elles s'adressent, et donc de manière transparente. Donc, compte tenu de la quantité d'informations à fournir, effectivement, il va falloir faire preuve d'un petit peu d'inventivité pour arriver à répondre à ces exigences de format fourniture de l'information. Donc, le deuxième grand principe, c'est la responsabilisation des acteurs. Ce principe de responsabilisation des acteurs, il est sa première déclinaison, c'est la disparition des formalités préalables. Et le corollaire de cette disparition des formalités préalables que l'on faisait auprès de la CNIL, déclaration, demande d'autorisation ou déclaration de conformité à une norme simplifiée, c'est le principe de accountability, qui n'a pas trouvé de traduction en langue française, donc pardonnez-moi, qui est celui que le responsable du traitement met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s'assurer et être en mesure de démontrer que le traitement des données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement. Donc c'est la démonstration à tout moment que, effectivement, vous réalisez vos traitements conformément au RGPD. Donc ça passe par quoi ? En premier lieu, par la mise en place d'un registre pour tous les traitements qui ne sont pas occasionnels. Donc moi, je ne connais pas beaucoup de traitements qui sont occasionnels. Donc ça touche presque tous les acteurs. Et en tout état de cause, c'est obligatoire dès qu'on traite des données particulières, c'est-à-dire notamment les données de santé. Donc dans votre registre, quand vous êtes responsable de traitement, vous devez faire figurer l'ensemble des activités de traitement
que vous poursuivez. Et donc, vous avez effectivement l'obligation de faire figurer le nom et les coordonnées du responsable de traitement, de son représentant sur le territoire, le cas échéant, et du DPO, donc le délégué à la protection des données, les finalités du traitement, les catégories de données et de personnes concernées, les catégories de destinataires, les transferts vers des pays tiers, les délais de conservation et une description générale des mesures de sécurité. Quand vous êtes un sous-traitant, vous devez également tenir votre registre, mais ce registre concerne les catégories d'activités de traitement et non les activités de traitement, donc c'est un peu plus light, et donc doit figurer les noms et coordonnées du responsable de traitement et du sous-traitant, de leurs représentants et du DPO, les catégories des traitements pour chaque responsable de traitement, les transferts vers des pays tiers et la description générale des mesures de sécurité. Le principe de accountability, d'après la CNIL, impose notamment de constituer un dossier qui comprend une documentation sur les traitements de données, donc avec en premier lieu le registre dont on vient de parler, avec aussi l'analyse d'impact. Donc ça, on va revenir dessus, puisqu'elle va être obligatoire également quand on traite des données particulières, c'est-à-dire notamment les données de santé, à grande échelle. Et avec les mesures que vous avez prises pour encadrer les transferts de données hors de l'Union européenne. L'autre pilier de votre documentation interne, ça va être la documentation sur l'information des personnes, avec les modèles d'information, les notes d'information, les mentions d'information à destination des personnes concernées, le cas échéant, les modèles de recueil de consentement, et les procédures surtout de mise en place pour l'exercice des droits. Comment vous répondez, quelle est la procédure interne pour répondre aux demandes de droits d'accès, de rectification, de suppression, le cas échéant. Et enfin, le dernier pilier, c'est la documentation contractuelle qui a pour objet de définir les responsabilités et les rôles de chaque acteur. Alors, dans ce corpus documentaire, vous avez nécessairement les contrats avec les sous-traitants. Les contrats avec les sous-traitants doivent intégrer l'ensemble des clauses obligatoires qui figurent à l'article 28 du RGPD, qui elles-mêmes intègrent notamment les mesures de sécurité qui sont utilisées dans le cadre des traitements sous-traités. Et ces mesures doivent être appropriées, donc on va y revenir, mais donc ça va renvoyer à un état de l'art qui va être celui du secteur dans lequel vous intervenez. Et vous devez donc prévoir des procédures internes en cas de violation des données, donc comment je réagis en cas de violation, et comment je vais m'organiser pour notifier à la CNIL, ce qui est une obligation, la violation des données. Et également, quand on est en matière de santé, le cas échéant, on peut avoir à notifier également aux ARS, via le portail de la DIP Santé, les violations de données. Vous devez également conserver les preuves que les personnes concernées ont donné leur consentement lorsque le traitement de données repose sur ce fondement. Vous avez deux principes nouveaux également, qui sont la protection des données dès la conception et la protection des données par défaut. Donc là, c'est une logique qui impose aux responsables de traitement de définir les mesures techniques et organisationnelles appropriées au moment de la détermination des moyens et pendant le traitement lui-même, afin de protéger les données. Et par défaut, ce sont les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que seules les données à caractère personnel nécessaires au regard des finalités sont traitées, et ces mesures sont supposées garantir que, par défaut, les données à caractère personnel ne sont pas rendues accessibles à un nombre indéterminé de personnes physiques, sans l'intervention de la personne concernée. Donc, dans l'analyse d'impact dont on a rapidement parlé, qu'est-ce que c'est et à qui ça s'impose? L'analyse d'impact en matière de santé va s'imposer dès que vous faites un traitement à grande échelle. Rapidement, le traitement à grande échelle, le G29 considère, par exemple, que le traitement de données de santé par un professionnel libéral n'est pas un traitement, dans un exercice individuel, n'est pas un traitement à grande échelle. Par opposition, le traitement de données de santé réalisé par un établissement de santé constitue de toute évidence un traitement à grande échelle. Dans la pratique et en retour d'expérience,
Il faut évidemment considérer de même que les laboratoires de biologie réalisent des traitements à grande échelle, de même pour les pharmacies. Voilà, c'est pour donner un ordre de grandeur. Ensuite, c'est une appréciation au cas par cas. La CNIL précise que lorsque deux des critères suivants sont réunis, il faut faire une analyse d'impact. Et dans ces critères, il y a donc le cas de l'évaluation, le scoring, le profilage, les décisions, les traitements qui permettent de prendre des décisions automatiques et d'avoir un effet juridique sur les personnes, une surveillance systématique, la collecte de données sensibles, la collecte de données personnelles à large échelle, les croisements de données lorsque les traitements concernent des personnes vulnérables, type patients, personnes âgées, enfants, des usages innovants, donc une nouvelle technologie, lorsque les traitements permettent d'exclure du bénéfice d'un contrat ou d'un droit les personnes qu'elles concernent. Une analyse d'impact contient à minima une description des opérations de traitement qui sont envisagées et les finalités du traitement, l'évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de traitement au regard de ces finalités, une évaluation des risques sur les droits et libertés des personnes concernées et les mesures envisagées pour faire face à ces risques. En fait, il faut bien comprendre qu'il faut prendre chaque traitement. Il faut déjà avoir répertorié ces traitements nécessairement dans le cadre notamment de son registre. Et puis, se poser la question de savoir quels sont les risques et est-ce qu'ils sont acceptables au regard des finalités et quelles mesures je peux prendre pour les réduire. Les risques et les menaces. Les risques, ce sont les risques qui pèsent sur la confidentialité, la disponibilité, l'intégrité, la sécurité des données, quand les menaces sont, par exemple, les actes malveillants, le feu, voilà. Donc, dans la responsabilisation des acteurs, le responsable de traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles qui sont appropriées afin de garantir le niveau de sécurité adapté aux risques. Et donc, ça peut notamment être la pseudonymisation, le chiffrement. Quand on dit les mesures techniques organisationnelles appropriées, ça va renvoyer à l'état de l'art, notamment, même en dehors du secteur de la santé, type les délibérations de la CNIL sur, par exemple, les mots de passe, les guides de sécurité qui sont produits, le guide d'hygiène informatique, par exemple, de l'ANSSI, ou les avis du G29. Tous ces guides constituent l'état de l'art en matière de mesures de sécurité à prendre qui sont ceux appropriés et donc vous finalement devez suivre même si c'est un droit plus mou. Dans la responsabilisation des acteurs, vous avez également la désignation obligatoire d'un DPO lorsque vous êtes une autorité ou un organisme public, lorsque vous avez des traitements qui exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées et lorsque vous traitez à grande échelle des données, par exemple, de santé, des données particulières visées par l'article 9 du RGPD. Les missions du DPO, ce sont des missions plus d'information, de pilotage, de contrôle, de vérification, outre la mission de point de contact avec les personnes concernées, le cas échéant, et la CNIL. Sachant qu'effectivement, on dit que ce n'est pas forcément possible d'être à la fois celui qui va mener la mise en conformité et celui qui va contrôler, puisque de quelque part, vous seriez un petit peu jugé parti. Donc, le DPO n'est pas forcément celui qui va faire le registre, faire l'analyse d'impact, ce n'est pas recommandé. Ça va être celui qui va en vérifier la bonne exécution, la bonne réalisation et la bonne exécution. Ensuite, évidemment, pour permettre une application rigoureuse de toutes ces règles, il fallait prévoir une crédibilisation de l'autorité de contrôle de la CNIL en France avec une augmentation substantielle du montant des amendes administratives puisque vous avez des sanctions qui sont portées jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial ou 20 millions d'euros en cas de violation. La crédibilisation des autorités, vous avez également une nouveauté du règlement européen qui est celle de permettre d'offrir finalement une possibilité pour les responsables de traitement d'avoir un guichet unique lorsque les traitements sont transfrontaliers. Alors maintenant, on va passer rapidement au secteur de la santé.
D'abord, quand on parle de secteur de la santé, il faut voir qu'en fait, c'est très large dans la mesure où c'est tous les acteurs qui vont traiter des données de santé. Qu'est-ce que c'est que des données de santé? En France, la loi informatique et liberté la définissait pas. Nous avions l'ASIP Santé en 2012 qui nous disait que c'était des données susceptibles de révéler un état pathologique et donc on avait une appréciation au cas par cas. Le règlement européen, finalement, rejoint plus ou moins cette approche avec une définition quand même très générale, les données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne. Donc une personne qui va effectivement, par exemple, prendre un rendez-vous en ligne avec un cardiologue, eh bien le fait de savoir qu'une personne physique a rendez-vous avec un cardiologue va être effectivement une information de une donnée à caractère personnel de santé. Donc quel cadre? Comment on traite ces données-là? Alors le responsable de traitement, je vous le rappelle, selon l'article 24 du RGPD, doit mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s'assurer et être en mesure de démontrer que le traitement est effectué conformément au règlement. Et ces mesures appropriées en matière de santé renvoient donc à l'état de l'art, c'est-à-dire aux référentiels qui s'appliquent dans ce secteur-là, les référentiels santé notamment. Et vous avez, en matière de santé, on a de quoi faire. Vous avez notamment le référentiel hébergement de données de santé, le référentiel de la politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé sur lesquels je vais revenir rapidement. Par exemple, le référentiel du SNDS, le système national des données de santé, les méthodologies de référence en matière de recherche, toutes les délibérations de la CNIL qui sont un peu exemplaires en matière de traitement de données de santé, en matière de santé numérique, et on pense notamment à celles qui ont été prises dans le cadre des territoires de soins numériques. Donc rapidement, sur l'hébergement de données de santé, l'activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel consiste à héberger les données de santé recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic ou de soins ou de suivi social et médico-social depuis la loi du 26 janvier 2016 modernisation de notre système de santé pour le compte de personnes physiques ou morales responsables de traitement à l'origine de la production ou du recueil de ces données ou pour le compte du client ou du patient lui-même. On a donc aujourd'hui une nouvelle réglementation. Nous avions un agrément obligatoire pour ces activités-là et dorénavant, depuis un décret du 28 février dernier, une certification obligatoire. Et donc, il y a deux catégories de certification, une certification hébergeur d'infrastructures physiques, une certification hébergeur infogéreur, lesquelles reposent notamment sur une conformité à l'ISO 27001. Les contrats d'hébergement doivent contenir des clauses obligatoires prévues par ce décret, outre celles prévues par l'article 28 du RGPD. Qu'est-ce qu'on a donc comme autre référentiel sectoriel très important en matière de traitement de données de santé? La PGSSIS, la politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé, qui comprend donc, c'est un corpus documentaire avec sur plusieurs thématiques l'identification des acteurs, l'authentification, la certification, l'imputabilité des dispositifs connectés, l'accès Wi-Fi dans les environnements qui traitent des données de santé, les interventions à distance. Donc ça veut dire que lorsque par exemple un acteur qui traite des données de santé un logiciel, nécessairement il va avoir un éditeur qui va faire de la maintenance, donc il va probablement se connecter à distance sur le système d'information, ce qui suppose le respect de règles particulières de sécurité prévues par ces référentiels. Et donc, dans le contrat qui vous lira, qui dira le responsable de traitement à son éditeur, il faudra prévoir une clause protection des données qui va renvoyer à une annexe qui comprendra toutes les clauses obligatoires de l'article 28 du RGPD et également intégreront en leur sein toutes les dispositions spécifiques, toutes les mesures de sécurité qui sont prévues dans ce référentiel de la PGSSIS. Donc, c'est vous montrer qu'il y a une déclinaison opérationnelle très pratique pour tous les acteurs du secteur de la santé. De même, vous avez les délibérations de la CNIL qui doivent être respectées. Par exemple, si vous avez un dossier
partagée de données de santé à caractère personnel accessible par un patient, il va falloir vous conformer à l'état de l'art en la matière, état de l'art qui est notamment prévu par la délibération de la CNIL sur le DMP, le dossier médical partagé. Ou de même, pour tous les dossiers de partage de données de santé, vous avez les délibérations TSN, territoire de soins numériques, qui doivent être prises en considération. En matière de recherche, vous avez toutes les méthodologies de référence de la CNIL, dont certaines que vous connaissez déjà, et puis 4 autres qui sont annoncées pour bientôt. Un petit zoom sur le projet de loi informatique et liberté s'agissant des traitements de données de santé, parce que le règlement européen prévoyait la possibilité pour les États membres de préciser certaines dispositions, l'application du règlement dans la réglementation nationale. Donc, il y a un projet de loi informatique et liberté qui a déjà été adopté par l'Assemblée nationale, qui est passé devant le Sénat, puis en commission mixte paritaire, et qui est revenu en ce moment même devant l'Assemblée nationale. Et donc, qu'est-ce que prévoit rapidement ce projet de loi? Il prévoit que, s'agissant des traitements, on va dire, les plus usuels, ceux qui sont prévus par l'ancien article 8.2 donc, de la loi informatique et liberté, les traitements de données de santé peuvent être effectivement réalisés sans formalité préalable. C'est cela. Ils sont actuellement dans l'article 9.2 du RGPD. Donc, vous avez notamment les traitements mis en œuvre pour assurer les services de santé, la gestion des services de santé, donc les hôpitaux, les professionnels de santé, ou les traitements qui reposent sur de données de santé qui reposent sur le consentement. Et puis, pour les autres, la CNIL a la possibilité d'établir des règlements types et des référentiels en concertation avec l'Institut national des données de santé et les organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés. Et pour cela, s'il y a un référentiel, il faudra faire une attestation de conformité. Et s'il n'y en a pas, il faudra réaliser une demande d'autorisation. Et voilà, je vais laisser la parole à Alain pour introduire le prochain intervenant. C'est la suite. Moi, non, je suis pas seul. Allez chercher la fraise. C'est un DND. Voilà. Affichage de page. Affichage de page. Là, encore en bas. Voilà. Merci maître. Bonjour à tous. Caméra est là, si tout à fait. Si, on est bon, non? On se voit pas. Je vous en prie. Ah, vous voulez vous voir? Voilà. Et mince. Voilà. Donc, okay. Est-ce que ça va se faire? Bonjour aussi. Donc, je présente rapidement M. Adrien Gravet qui travaille chez DND Agency, qui est Digital and Network Defense Agency, société avec laquelle nous collaborons justement pour toutes les questions cybersécurité et RGPD. Donc vous êtes consultant en cybersécurité et RGPD dans cette société. Vous avez débuté dans la conformité et lutte anti-blanchiment dans les départements Lab HSBC, à Paris. Puis vous êtes spécialisé en technologie d'information en tant que business analyst SI Worldwide chez HP Inc. à Barcelone. Et vous avez été en charge de la mise en place du programme RGPD
DNG Agency en Espagne. Et enfin, vous intervenez en tant que consultant IT Breach et formateur en cybersécurité. Je vous laisse la parole. Merci. Je vous remercie. Bonjour à tous. J'ai profité pour... Voilà, bon, on est parti. Donc, je vais intervenir aujourd'hui pour passer sur un point peut-être un peu plus concret, on va dire, du RGPD, notamment pencher sur la protection et la sécurité des données dans le secteur de la silver economy. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous savent ce qu'est la silver economy. Certains oui, à mon avis, certains d'autres non. Donc, la silver economy, c'est simple, c'est l'ensemble des activités économiques et industrielles et le service à la personne qui bénéficient aux seniors et qui leur permet d'améliorer leur qualité de vie, qui leur permet d'améliorer leur espérance de vie dans le meilleur des cas, et également de faciliter le cas de maintien à domicile. Moi personnellement, je ne fais pas partie de cette tranche-là de l'économie, mais il faut savoir qu'en 2030, ça représentera plus de 20 millions de personnes, et ces plus de 20 millions de personnes représentent aujourd'hui 50% des dépenses de la santé, 50% des dépenses des équipements du foyer, et 50% des biens et autres services type assurance ou type soins personnels. Donc là-dessus, on a le volet qui est équipement du foyer. Sur l'équipement du foyer, majoritairement dans la silver economy, on va être sur de l'IoT. L'IoT, c'est Internet of Things, c'est tout ce qui est objet connecté. Majoritairement, cette économie se développe sur ce pan-là de la technologie. Donc on distingue trois scénarios. Le premier d'entre eux, c'est le scénario in-in. Le scénario in-in, vous avez un espace privé dans lequel les données sont traitées au travers de dispositifs, collectées et traitées au travers de dispositifs, et ils communiquent ces données-là entre eux. Donc les dispositifs communiquent ces données-là entre les autres dispositifs, dans le sein même de l'habitacle, si on veut, du domicile ou de la chambre de la personne qui occupe, par exemple, des établissements type EHPAD. D'accord ? Donc, on a là-dessus un réseau fermé. Pour aborder le sujet du RGPD, on a tout de même un consentement à avoir qui vient de la personne concernée. Donc ce consentement ne doit pas être, comme l'a mentionné Maître de la Perrière tout à l'heure, ne pas être subordonné à la souscription d'un autre produit ou service. Et il doit prendre en compte, le recueil de consentement doit prendre en compte l'état de la personne. Bien sûr, on est sur un secteur spécifique, la silver economy. L'état de la personne, la sensibilité des données collectées et le contexte de mise en œuvre du traitement et d'utilisation du service. Pour vous donner un exemple, dans le scénario in-in, on va avoir une personne, un senior, qui va être sur un dispositif médical type matelas, qui va se lever pendant la nuit. Le dispositif médical type matelas va communiquer les données, qui veulent dire, par exemple, le senior se lève, à un autre dispositif d'éclairage. Le dispositif va alors éclairer le parcours accidentogène, on va dire, du senior pour qu'il se déplace au sein de son espace privé. Voilà. Donc là-dessus, dans le cas d'espèce, on a la sensibilité des données collectées ne sont pas extrêmement graves et on n'a pour le coup pas nécessité, comme l'a mentionné tout à l'heure Maître de la Perrière encore une fois, d'établir ce qu'on appelle un rapport des risques. Voilà. Au niveau de l'hébergement des données se trouve au sein même de l'espace privé, dans le domicile même de la personne, dans la chambre même de la personne. Elle ne transite pas à l'extérieur. Donc pas de réglementation particulière vis-à-vis de ça, à l'exception du robot domestique, qui se transformera en scénario in-out dès lors qu'il y aura ajout de paramètres de sécurité. Dans la mesure où un robot va aider un senior dans ses tâches quotidiennes, dès lors qu'il voudra additionner un paramètre au robot, on passera en scénario in-out si le robot communique des informations à un prestataire tiers. Au niveau de la durée de conservation, là encore, elle est à définir dès la conception du dispositif. On est sur le principe de privacy by design. Donc, dès la conception du dispositif, on doit établir les paramètres en fonction de la réglementation du RGPD. D'accord ? Mais le fournisseur du dispositif doit obligatoirement permettre à la personne concernée de définir ou de modifier la durée de conservation de ces données. Et il doit lui permettre intrinsèquement d'accéder et de pouvoir effacer à ces données-là. Alors, au niveau de la sécurité, qu'est-ce que ça veut dire ? On est sur un dispositif interne, donc ça transite en interne encore une fois, il est très difficile de toucher tel ou tel réseau, mais il y a quand même un chiffrement à faire, c'est notamment ce que nous recommandons, un chiffrement à faire de l'étape transition de données, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire transiter ces données-là dans un canal sécurisé, et on va également chiffrer ces données grâce à des clés de chiffrement
permettant de garantir la confidentialité entre chacun des dispositifs. D'accord ? Le dispositif A ne reconnaîtra les données du dispositif B que si le protocole est correctement respecté. Le deuxième point, on va permettre à ces dispositifs de s'authentifier et de s'identifier eux-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, dans un établissement type EHPAD, on a un serveur qui va être, sur lequel va être connecté l'ensemble des dispositifs. Bon, l'ensemble de ce serveur-là doit reconnaître ces dispositifs-là, mais ils sont quand même vulnérables. Un hacker peut potentiellement, par spoofing, lancer massivement des requêtes qui vont faire tomber un dispositif et remplacer son ordinateur par ce dispositif-là. Il faut savoir que par usurpation d'IP, un hacker peut potentiellement se connecter à n'importe quel serveur. Une usurpation d'IP, c'est-à-dire que le serveur va attribuer un dispositif électronique, une adresse IP, d'accord ? S'il se connecte sur son réseau. Dès lors que cette adresse IP tombe, quelqu'un peut la remplacer, un hacker. Dans cette mesure-là, si on est vraiment paranoïaque, on va lui attribuer une authentification d'adresse MAC. Alors, je ne sais pas si nombre d'entre vous savent ce qu'est l'adresse MAC. L'adresse MAC est unique au monde pour chaque appareil détenant une carte réseau. Votre téléphone portable, votre tablette, votre ordinateur portable, votre iWatch, tout ce que vous avez qui accède à Internet a une adresse MAC. Elle est unique. Elle est très, très difficilement usurpable. Donc là, on arrive sur une deuxième étape de protection de la donnée. Et la troisième étape, la quatrième étape, pardon, c'est une étape un peu plus manuelle. On va autoriser la personne à s'authentifier elle-même, ce qui est basiquement ce que vous faites avec votre téléphone portable, soit par digital, soit par code, dit soit par application ou soit par une plateforme, une interface directement imposée sur le dispositif. Voilà. En ce qui concerne le second scénario, in-out, là-dessus, on a un ensemble de données qui sont collectées par un dispositif et qui sont transmises en externe. Donc on a une sortie de données. On a déjà des failles qui commencent à apparaître à ce niveau-là dès lors qu'il y a transmission de données à l'extérieur. D'accord ? Donc, les données sortent de l'espace privé, elles sont transmises à un tiers, qui peuvent permettre une intervention auprès de la personne concernée ou un service n'impliquant pas un pilotage à distance. Bon, le détail est important parce qu'il concerne surtout le scénario in-out-in. Bon, dans cette mesure-là, par exemple, on a une personne, un senior, qui est sujet à fugue ou errance, dans tous les cas, dans un établissement ou à domicile. Il va disposer d'un bracelet. Et via ce bracelet, il y a des données qui vont être émises à un prestataire extérieur, lui indiquant sa localisation. Dès lors que la localisation sort du périmètre prédéfini, le service tiers, le prestataire tiers, va appeler les proches de la personne, sujet à errance ou à fugue, et va l'avertir et leur dire, écoutez, il est X heures, la personne n'est pas encore rentrée, je vous tiens au courant, il faudrait que vous interveniez, que au moins vous sachiez où cette personne est. Voilà. Pour le service, le scénario in-out-in, vous me suivez, pour le coup, on a un dispositif qui collecte toujours des données en interne, qui va les transmettre en externe, mais le prestataire tiers en externe va lui interagir avec l'intérieur de l'espace privé automatiquement. D'accord ? Ça n'implique pas, comme ici, un pilotage, ça implique un pilotage à distance. Ok ? Donc là-dessus, un exemple, exemple type, on a une personne qui dispose d'un récepteur de mouvement et d'un récepteur de positionnement, par exemple. La personne chute, elle reste au sol. Dès lors qu'elle reste au sol, elle n'arrive plus à bouger, le médaillon détecte qu'il y a une absence de mouvement depuis X temps, elle va transmettre l'information à un prestataire tiers qui va lui faire appel à un service d'intervention d'urgence ou qui va faire appel, qui va avertir le personnel médical de l'EHPAD ou de l'hôpital. Et dans le cas, par exemple, de l'avertissement à un service d'intervention d'urgence, elle va lui permettre de rentrer chez le senior en activant l'ouverture du portail de chez lui, par exemple, en activant l'ouverture des volets qui ne se sont pas levés, en activant l'ouverture de la porte, en désactivant les alarmes, par exemple. Donc, on est bien sur un principe différent de celui précédemment qui vient vraiment compléter l'ensemble de ce qu'on peut trouver comme scénario au niveau des seniors. Au niveau des consentements pour ces deux derniers scénarios-là, on est exactement sur la même base que le scénario in-in. Donc là-dessus, rien ne change. Au niveau de la collecte et du traitement des données, il faut faire attention, on est sur le principe de minimisation. On ne va pas transmettre en tant que prestataire à une boîte d'intervention d'urgence plus de données qu'elle n'en a besoin. On ne va pas transmettre, autant de frères et sœurs à prévenir, etc. Il s'agirait d'un autre service. Pour le coup, seules les données strictement nécessaires à la réalisation de l'objectif
poursuivies peuvent être collectées et peuvent être transmises. D'accord ? Bon, je vous ai ici nommé d'autres exemples. On nous collecte à la carte en cas de traitement multiple. Voilà, c'est tout à fait possible et c'est légalement prévu pour ça. Au niveau des sous-traitants, comme l'a mentionné Maître Laperrière tout à l'heure, si on a un hébergement des données de santé, il faut qu'il y ait un certificat ou un agrément nécessaire. C'est prévu par l'article L1111-8 du Code de la santé publique, modifié. Au niveau de la responsabilité des sous-traitants vis-à-vis des dispositifs, donc je vous ai mis là encore deux exemples. C'est en fonction de la situation, vraiment ça peut être au cas par cas, on a des cas plus génériques, mais je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails vis-à-vis de ça, mais vous avez ici donc deux exemples que vous pourrez retrouver sur la présentation. Et je passe au niveau de la durée de conservation de ces données-là. Ça ne change pas par rapport au scénario in-in. On est toujours sur une définition en privacy by design, security by design, et le fournisseur doit encore une fois permettre l'accès, la modification, la définition, la suppression des données traitées, des données conservées, dans tous les cas. Au niveau de la sécurité des données, on a encore une fois un chiffrement des données, mais cette fois-ci un peu plus complexe, étant donné que les données sortent de l'espace privé. On est sur des failles plus importantes, des risques plus importants, on a un cœur qui risque de se mettre sur l'étape transition de la donnée. Donc on va créer encore une fois un tunnel protégé ou un VPN, donc Virtual Privacy Network, et un chiffrement des données à 256 bits. C'est-à-dire qu'on va vraiment chiffrer la donnée en profondeur et qu'il est quasiment impossible de, avec les paquets récupérés par le hacker, éclairer l'information, donc la rendre authentique. Au niveau des hébergements, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut héberger ces données chez un prestataire tiers certifié si on veut le faire ou agréé à cet effet. Avec un hébergement local sécurisé, tant au niveau hardware que software, c'est à sa charge. Pour le coup, là, c'est lui le responsable de sa sécurité. Au niveau de la pseudonymisation et d'anonymisation, on va faire des opérations de hachage des données associées à des clés secrètes qui seront ensuite supprimées. Une opération de hachage, c'est quoi ? C'est, si vous voulez, on a la métaphore de l'empreinte. On peut réussir à récupérer une empreinte, mais il faut forcément qu'il y ait un état de comparaison avec la personne qui détient cette empreinte. D'accord ? L'empreinte ici, ce serait le hachage. Et ce qu'il y a autour, ce serait ce qui n'est pas crypté. Et c'est cette clé-là qui permet de voir ce qui n'est pas crypté. On la jette, comme ça on ne peut plus rien voir, mis à part l'empreinte, c'est-à-dire l'information primordiale qu'on veut transférer. Je ne vais pas rentrer dans les points trop techniques, mais bon, voilà. Et ensuite, au niveau de l'authentification et de la sûreté, on est sur la même base que le scénario in-in, authentification, identification des dispositifs entre eux, c'est-à-dire qu'ils se reconnaissent par leur adresse, soit IP, soit leur adresse MAC, et également une authentification au préalable de la personne via Digit ou alors via un mot de passe, une application ou directement sur le dispositif lui-même. Au niveau de la sécurité de l'environnement local, donc là je vais aller plus, et après c'est fini, j'arrête les points techniques, et je vais aller plus sur tout ce qui est établissement type EHPAD, hôpital, maison de retraite. Nous recommandons de ne pas être dépendant des connexions Internet. D'accord ? Donc si jamais vous mettez toutes vos données en externe, vous êtes forcément dépendant d'Internet. Si vous n'avez plus Internet, vous n'avez plus accès à vos données, vous êtes dans... C'est compliqué. Donc, ce qu'on propose, c'est d'établir un serveur local, en local. On va protéger toutes les données de ce serveur local, d'une part en les sauvegardant et ensuite en les protégeant via des dispositifs de sécurité. Donc là, je vous ai mis un exemple type de protection avec un serveur en RAID 5. Un serveur en RAID 5, ça veut dire que je vais avoir un ou plusieurs disques durs qui vont être dupliqués. Et dès lors qu'il y a une mauvaise manipulation, dès lors qu'il y a une mauvaise intention qui a été faite, on va pouvoir avoir un backup de sauvegarde et restaurer les données par-dessus. Là-dessus, il faut prévoir une synchronisation régulière. Et à partir de là, toutes les données sont OK. Et vous me dites, tout à l'heure, ça a été mentionné, s'il y a un incendie ou alors s'il y a un problème électrique, panne d'électricité, plus de routeur, plus de modem, plus rien, qu'est-ce que je fais ? Je mets un onduleur. Un onduleur, ça va permettre de parer toute surtension ou sous-tension ou panne électrique. Bon. Et là-dessus, vous me dites, oui, mais bon, si ma connexion Internet foire, je mets une connexion de secours. Une connexion de secours, ça va être quoi ? Ça va être un modem 4G, par exemple, qui va capter le réseau de télécommunications. Et les opérateurs de télécommunications ne traitent pas la donnée, ne collectent pas la donnée,
ne la sauvegarde pas. Elle ne fait que transiter par ces zones-là. Donc, on reste toujours dans le cadre de la légalité du RGPD. Entendu ? Donc, cette connexion de secours, on va la mettre avec ce qu'on appelle un répartiteur qui va choisir si oui ou non il prend cette connexion-là dès lors que l'autre a planté. Voilà, pour les points techniques. Au niveau de la synchronisation en externe, donc coupler le local avec l'externe, c'est toujours un bon point. Ben, on, encore une fois, cherche un hébergeur certifié, agrémenté, cas échéant. On établit une connexion entre notre serveur local et le serveur du professionnel en crypté SSL, un canal SSL crypté, en 256 bits minimum, encore une fois, pour crypter la donnée en profondeur. Et on planifie une synchronisation régulière. Toutes les heures, si on est vraiment paranoïaque, tous les jours, si on estime que la synchronisation toutes les heures n'est pas nécessaire. Au niveau des authentifications, toujours en interne, nous n'allons permettre l'accès aux données qu'aux personnes préalablement nommées, préalablement habilitées à accéder à telle ou telle ou telle ou telle donnée. D'accord ? Ça, c'est pas compliqué à faire en soi, c'est faisable sur n'importe quel serveur. Et je ne vais pas forcément prêcher pour ma paroisse, mais vous pouvez le faire en interne. Voilà. On va établir un processus de traitement des données sur des plateformes sécurisées. Donc on va mettre en place des plateformes sécurisées qui sont soit chez nous, soit en externe, chez des spécialistes de la sécurité. Et on va limiter les envois de documentation à caractère sensible, pour le coup, parce qu'on est sur des données de santé. Ou alors, on va faire des envois mécryptés. Encore une fois, vous avez pléthore de prestataires qui permettent de faire ça et qui sont des moyens très, très démocratisés dans tous les cas et peu onéreux pour le coup. Et le dernier point, ça va être de former votre personnel médical, si vous êtes à la tête d'un établissement type EHPAD ou d'un hôpital. Il faut former le personnel médical à la cybersécurité. Peut-être pas de niveau 2-3, mais de niveau 1, qu'ils aient au moins les bonnes pratiques. On va faire une veille constante, c'est-à-dire qu'on va regarder régulièrement s'il y a des hôpitaux qui sont fait pirater, on va regarder régulièrement s'il y a des sites qui sont spécialisés dans la veille, on va regarder régulièrement s'il y a des nouveaux virus qui sont faits sur tel ou tel ou tel logiciel utilisé par les hôpitaux, par les établissements de santé, et on va communiquer en interne dès lors qu'on découvre ce type de menace. Voilà, donc tout ça pour en revenir encore une fois au RGPD et à la sécurité des données. Pour nous, ça va de pair. Vous ne pouvez pas dissocier les deux. De fait, le marché de la silver economy provoque la création de nombreux matériels, nombreux outils connectés. Et en général, on privilégie performance à sécurité. On veut que ça sorte vite, on veut que ça sorte pas forcément bien. La sécurité est, on va dire, laisse à désirer. Mais pour le coup, on réussit à faire des dispositifs qui sont efficaces, qui peuvent servir les personnes, les seniors en tout cas. Mais le problème, c'est que dans un souci de confort, on crée un dispositif qui peut être très inconfortable, in fine, dès lors qu'il se fait pirater. Et on crée des dispositifs de sécurité, par exemple, pour les portails ou les interventions des personnes d'urgence. Dès lors que la communication est coupée à cause d'un pirate, ça devient dangereux et non plus sécuritaire. Voilà. J'espère que ça a été pour vous. Je n'ai pas été trop speed et que vous avez compris au moins ce que je voulais, où je voulais en venir. Voilà, je vous remercie. Bien. Donc là, maintenant, nous allons passer à la dernière partie avec les deux intervenants de CGI. Et donc, on m'a demandé aussi de parler de leur parcours, puisque au Club Santé, on est toujours intéressé par les doubles compétences, santé et management, et vous avez Amaury Cotenay, qui est au départ ingénieur et diplômé de l'IAE de Paris en management, et qui maintenant a évolué vers la cybersécurité chez CGI. Et vous, il y a aussi Thomas Nguyen, qui lui aussi a cette double casquette, puisqu'il a travaillé dans le domaine des affaires réglementaires dans la santé, avant lui aussi d'évoluer vers la cybersécurité chez CGI. Et double compétence collective, puisqu'ils sont aussi co-rédacteurs d'un livret sur le RGPD à destination des entreprises. Donc vous êtes ici pour les écouter et pas moi, donc je leur passe la parole. Merci. Alors,
Bonsoir. On va essayer dans cette présentation d'aborder les choses d'un côté pratique. L'idée, c'était de vous présenter par quel bout commencer une mise en conformité du RGPD. Et tout d'abord, pour vous persuader de l'intérêt de la sécurité, je voulais vous parler de la sécurité dans le monde de la santé, notamment l'hôpital de Saint-Malo en 2013 qui a été épinglé par la CNIL pour un problème de confidentialité. Cette mise en conformité a été rendue publique et donc voilà, ça touche la sécurité et le principe de confidentialité. Il y avait une histoire d'un dispositif médical implantable des pacemakers où des chercheurs en sécurité ont montré qu'il y avait 8600 failles de sécurité sur ces pacemakers avec la possibilité sur certains types de pouvoir prendre à distance le contrôle de ces pacemakers dans des situations un peu particulières, mais voilà. Et derrière, avec des demandes de rançon, donc on imagine bien toute la complexité pour la santé des patients et pour l'entreprise qui met sur le marché ce dispositif médical. Voilà. Dans l'idée des rançons, durant le printemps de l'année dernière, il y a une vague d'attaques qui a touché des entreprises dans tout le monde, notamment en France. Mais dans le milieu de la santé, ça a touché particulièrement les hôpitaux en Angleterre. On a entendu pas mal parler. Et là, pareil, il y a eu une attaque informatique qui a eu pour conséquence de bloquer l'accès à certaines données de santé dans ces hôpitaux-là. Là, ça a attaqué le principe de disponibilité de la donnée avec une conséquence directe pour la santé des patients puisque cette attaque-là a provoqué le report de certaines opérations. On peut imaginer que derrière, la mise à jour des systèmes d'information a dû se faire assez rapidement. Et pour terminer de vous convaincre, très récemment, la CNIL a mis en demeure l'assurance maladie sur la protection en fait, d'un fichier informatique concernant les données de santé, le SNIRAM. Et cette mise en demeure a à nouveau été rendue publique du fait de l'importance des violations et du peu de sécurité de ce fichier informatique. Alors, on parle de sécurité dans le RGPD, donc c'est notamment l'article 32. Le 1A parle de pseudonymisation et de chiffrement. Donc, le chiffrement, on en a déjà parlé dans la présentation précédente. La pseudonymisation, un peu, mais la pseudonymisation, c'est quoi? C'est Monsieur Dupont, que j'appelle autrement, que j'appelle Monsieur Hervé. À la différence de l'anonymisation, qui, en fait, implique le fait de ne pas pouvoir revenir en arrière ou identifier de manière directe ou indirecte une personne. Après, sur la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, la résilience, c'est des notions qui sont en informatique utilisé depuis très longtemps pour qualifier les risques dans le système d'information et qui sont repris dans le RGPD. Donc, le RGPD, en fait, c'est un texte législatif, évidemment, mais en même temps, il prend des notions techniques qui sont dans les systèmes d'information assez classiques. Il parle de rétablir la disponibilité. Donc là, on imagine tout. Par exemple, là, on parlait des ransomware qui a touché les hôpitaux américains. Anglais, là, la disponibilité était mise à mal de l'information et donc ça, vous pourrez en imaginer tous les processus pour mettre à jour, remettre la disponibilité. Et enfin, il parle de procédure d'audit. Enfin, il n'utilise pas totalement ces termes-là, il parle d'évaluer les mesures organisationnelles et techniques qui sont mises en place pour réduire ce risque. Et ça répond en même temps au principe qui a été évoqué d'accountability. Comment j'apporte la preuve à l'autorité de contrôle que j'ai mis en place mes mesures organisationnelles et techniques qui sont suffisantes. Enfin, voilà. Alors, comment faire? Il reste un mois et demi avant le 25 mai, cette date que certains appellent couperet, mais qui est en fait finalement un nouveau départ. Chez CGI, nous avons fait le choix depuis 2016, hein, la date où le RGPD a été validé par les États membres, d'avoir une approche basée sur trois fondamentaux. Le premier, c'est de maîtriser le risque de fuite d'information. En fait, le RGPD, c'est un règlement qui est né de la crainte des Européens de ce qu'on faisait de leurs données. Donc, du coup, la première des choses, c'est de se dire bah, où est-ce que j'ai un risque, quel est mon risque et comment je le maîtrise. Le deuxième, c'est de maîtriser son niveau de conformité du système d'information. Éviter la fausse promesse d'être conforme à 100%, en tout cas pour ceux qui n'ont pas encore débuté. Il reste un mois et demi, on va voir pourquoi
ça va être difficile d'atteindre le niveau de conformité complet d'ici mai 2018. Mais par contre, c'est vraiment de mettre en place les premiers éléments, les premières briques les plus importantes pour montrer à l'autorité de contrôle qu'on a bien pris le chemin. Et maîtriser le positionnement. Donc déjà, c'est être conforme sur les anciennes lois. En France, Maître Braque de la Perrière l'a dit, on a une loi qui date de 1978. Le RGPD va vraiment dans la suite de cette loi. Mais voilà, on est en droit d'être sûr que l'autorité de contrôle sera un peu plus regardante sur les éléments qui étaient déjà présents dans les précédentes lois le jour où il y aura un contrôle. Et puis, observer son marché, regarder, échanger avec les pairs pour voir un peu ce qui se fait en matière de sécurité. Donc, bien sûr, aller regarder toute la littérature qui existe sur la partie sécurité, par exemple, on en a déjà parlé, pour ne pas faire de surconformité et donc de surinvestissement. Et pour autant, ne pas faire de sous-investissement. Donc, si on revient un peu plus sur ces trois éléments, le risque, on en parle à l'article 35 notamment, on en parle un peu plus que ça, mais l'article 35 parle des analyses d'impact sur la protection des données. Maître Braque, dans la barrière, on a parlé. Finalement, c'est une analyse de risque avec quelques éléments supplémentaires, notamment tous les principes fondamentaux liés à la licéité du traitement. C'est une analyse de risque telle qu'on peut la faire traditionnellement dans les systèmes d'information, avec finalement un changement de vue, puisque là, on ne va pas regarder quels sont les risques pour l'entreprise, mais quels sont les risques pour la personne dont on va traiter les données. Et donc, vous allez apprécier le risque, vous allez mettre en place des mesures de traitement de ce risque, et vous allez avoir à la fin un risque résiduel. C'est très compliqué d'amener à zéro un risque informatique. Et donc, vous allez ensuite étudier est-ce que ce traitement, ce que j'ai apporté, ces mesures sont suffisantes ou non au regard du risque pour la personne. Et là, vous avez trois sorties possibles. Soit le traitement est suffisant et le risque est acceptable. Et à ce moment-là, vous pouvez traiter les données des personnes. Soit le traitement n'est pas suffisant. Et alors là, vous avez deux possibilités. Soit vous ajoutez de nouvelles mesures. Soit vous faites valider votre analyse à la CNIL pour qu'elle vous donne, pour qu'elle vous permette de mener ce traitement malgré tout. Voilà. Et donc, si on reprend un peu, une analyse de risque, comment ça se décompose? C'est d'abord une première étude du contexte. On va étudier comment est-ce que va être utilisé ce traitement, quelles sont les données qui vont être récupérées. C'est là où on va traiter toutes les minimisations, l'exactitude des données, etc. Et on va identifier qu'est-ce qui va se passer, quels sont les besoins en termes de disponibilité, etc. Ensuite, on va identifier les impacts sur les personnes. Je vous ai mis en bas à droite des exemples d'impact qu'on peut imaginer dans vos cas. Donc, un décès suite à l'administration d'un mauvais médicament parce qu'on n'avait pas le bon dossier médical, l'impossibilité de tracer la stérilisation des outillages, un assureur qui refuse la couverture ou l'obtention d'un prêt suite à la divulgation d'un dossier patient, une demande de rançon suite à la prise en main d'un DM connecté. Thomas vous en parlait tout à l'heure. Et ensuite, en face de ça, on va mettre quels sont les scénarios de menace. Comment est-ce qu'un attaquant, une personne malveillante, va pouvoir accéder à ces données, donc les récupérer en vue de les divulguer, les modifier ou les rendre inaccessibles. Et à partir de là, en associant les deux, et vous le voyez en haut à droite, ça nous permet de cartographier, de calculer un risque avec un impact, là vous le voyez en ordonnée, et une probabilité en abscisse. Et donc l'idée, évidemment, ce sera de mettre en place des mesures pour abaisser le niveau de risque à un niveau acceptable. Niveau acceptable qui est à définir par vous, par l'organisation, avec ce principe de responsabilité, c'est-à-dire qu'il faudra le justifier à l'autorité de contrôle le jour où vous avez un contrôle. Quelques exemples de mesures assez génériques. Vous allez mettre en place des procédures en interne. Vous allez dire à vos collaborateurs, vous avez interdiction de faire ça. Vous devez agir comme ça dans tel cas. Donc, vous avez des mesures organisationnelles. Vous allez contrôler les accès. De dire, tout le monde n'a pas besoin d'avoir accès à toutes les données.
Vous allez contrôler le matériel, le contrôle des actifs. Vous allez bien sûr contrôler les sous-traitants. Vous assurez que vos sous-traitants respectent les mêmes mesures que ce que vous, vous avez mis en œuvre. Et donc là, vous avez vraiment une dimension contractuelle. Et ça, c'est prévu dans le règlement, hein, de dire contrôlez vos sous-traitants. Ce n'est pas un exemple dans la santé, mais on a eu début janvier Darty qui s'est fait épingler parce que son sous-traitant ne respectait pas les bonnes mesures de sécurité. Donc on voit bien, ce n'est pas le sous-traitant qui s'est fait épingler par la CNIL, c'est bien l'entreprise qui a mandaté le sous-traitant de faire un trait. On a bien sûr toutes les mesures techniques qu'on a balayées en partie tout à l'heure. On va avoir aussi le contrôle des demandes d'exercice de droit, et c'est l'exemple que vous avez là en bas, par exemple. Vous devez vous assurer que la personne qui vous demande d'exercer son droit d'accès, de rectification, de droit à l'oubli, est bien la bonne personne, bien sûr. Et donc, vous devez mettre en œuvre des moyens suffisants. Là, l'exemple que je vous ai mis, c'est assez fort, hein, là, comme niveau. Hein. Dans leur guide des bonnes pratiques, ils parlent de... un mail pour un niveau de risque bas, un contrôle par mail, et après, plus vous montez dans le risque, vous allez commencer à demander une copie de la carte d'identité, etc. Donc, plus le risque est élevé, plus vous allez demander de contrôle. Et puis, bien sûr, la gestion des incidents, puisque le RGPD prévoit qu'en cas de violation de données, donc en cas de manquement à la disponibilité, l'intégrité ou la confidentialité des données, eh bien, vous soyez en mesure de mesurer l'impact que ça aurait pour les personnes, et en cas de risque fort, de notifier dans les 72 heures à la CNIL cette violation. 72 heures, c'est extrêmement court, parce que vous avez un certain nombre de points à indiquer, et donc avoir un processus en amont qui vous permet de gagner du temps là-dessus, c'est extrêmement intéressant. Maîtriser le niveau de conformité. Je vous disais, éviter la fausse promesse d'être 100% conforme. On attend encore le projet de loi, on attend encore la loi, informatique et liberté, puisque le projet de loi est encore dans la navette parlementaire, avec quelques sujets de discussion, notamment le chiffrement de bout en bout, ou l'âge de la personne mineure. Et la CNIL a prévu encore de publier certains guides de bonnes pratiques pour éclairer les points où on n'est pas sûr. Il y a encore quelques zones d'ombre dans le RGPD sur jusqu'où il faut aller. Et donc, ces guides de bonne pratique sont là pour nous aider et on les attend. Donc, il y aura sûrement des choses à faire encore une fois que ces guides sont publiés. Il faut aussi prendre en compte le RGPD dans les contrats. Et ça nécessite du coup de renégocier les contrats avec les sous-traitants. Et ça, c'est long. Et en un mois et demi, ça me paraît très difficile si vous n'avez pas commencé déjà d'y arriver. Par contre, et la CNIL le dit, je vous ai mis quelques citations de la CNIL sur la droite, c'est vraiment de montrer qu'on a compris l'esprit du texte, qui est la protection des données, de rassurer le citoyen européen et de poser les premières briques importantes. De dire, voilà, j'ai identifié mes traitements les plus sensibles et j'ai commencé ma mise en conformité et voilà, j'ai un plan qui me paraît raisonnable de mise en conformité. Et bien sûr, impliquer tout le monde dans l'entreprise. Ce n'est pas du tout un règlement qui s'adresse que aux juristes ou que à la direction informatique. Parce que vos RH manipulent des données privées. Les équipes marketing manipulent des données privées, vos commerciaux, vos acheteurs également. Donc, il est indispensable, et ça, Adrien l'a dit précédemment, il faut sensibiliser tout le monde dans l'entreprise à cela. Et maintenant, le RGPD ne s'arrête pas au 25 mai, je vous disais, c'est plutôt une date de début. La conformité, ce n'est pas à une date donnée, c'est vraiment dans la longueur et année après année. Et maîtriser ce positionnement, donc je vous le disais déjà tout à l'heure, traiter en priorité les points existants dans la législation française, mettre en place les processus qui vous feront gagner du temps, qui feront que les gens dans l'entreprise comprendront ce qu'ils ont à faire pour être en conformité avec le RGPD. Et notre vision, c'est commencer par mettre la sécurité en place sur tous vos nouveaux projets. Et tout ce qui est existant, ben on va l'intégrer au fur et à mesure des modifications qu'on va apporter aux dispositifs médicaux existants. Donc, quand on va faire une mise à jour, on va ajouter des briques de sécurité, etc. Un exemple, ça ne va pas s'appliquer à chacun, mais je souhaitais que vous repartiez avec
une idée de ce qu'il y a à faire maintenant en un mois et demi. Le premier, c'est de savoir où vous en êtes. Donc, d'établir un diagnostic, ça c'est rapide, de dire, voilà, qu'est-ce que j'ai, est-ce que j'ai des données sensibles et qu'est-ce que je veux faire avant le 25 mai. Nommer un délégué à la protection des données, je sais que toutes les entreprises n'y sont pas obligées. Pour autant, il va falloir un animateur qui va vous aider dans cette mise en conformité. Il va falloir quand même quelqu'un qui vérifie qu'on passe bien les jalons. Identifier tous vos traitements en vue de remplir votre registre des traitements. Et ensuite, à ce moment-là, on peut séparer en trois avec une dimension plutôt technique où vous allez mener ces analyses de risque. Sur les nouveaux projets, intégrer la notion de privacy by design, protection dès la conception, et mettre en place les premières mesures de sécurité sur les traitements les plus critiques. Avec votre direction juridique ou vos avocats conseils, vous allez pouvoir traiter la partie juridique avec l'étude d'impact des nouveaux droits, qu'est-ce que je dois changer sur mon existant, et les implémenter sur vos dispositifs, sur vos contrats, etc., et gérer vos accords avec les sous-traitants, donc du contractuel. Et sur une partie organisationnelle, avec la mise en place de procédures et de notification et de communication vers l'autorité de contrôle ou les personnes, mise en place des procédures d'audit, de contrôle interne. Une fois que je mets en place des mesures, il faut que je mesure l'efficacité de ces mesures dans le temps et la sensibilisation des collaborateurs. Et après le 25 mai, on fait l'amélioration continue. Donc, on s'assure que tout ce qu'on a mis en place avant est toujours opérationnel et on continue sur les briques qu'on avait mis de côté au départ. Donc la suite sur les mesures, c'est qu'un listing non exhaustif évidemment, par exemple sur une analyse d'impact dans le milieu de la santé, mais ça concernait une collecte massive de données et de données très sensibles, on a proposé de mettre en place 83 mesures de sécurité. Donc là ce n'est non exhaustif, mais l'idée de cette slide c'est de dire qu'il faut choisir les mesures en face d'un risque. Il faut adapter la mesure au risque. C'est vraiment l'esprit de l'analyse d'impact de protection des données. On met le bon niveau en face d'un risque. Ça peut être des choses très complexes, comme des choses beaucoup plus simples. On parle d'intégrité depuis le début. Donc, l'intégrité, c'est la propriété d'exactitude et de complétude de la donnée. Il y a des choses assez simples, comme le contrôle d'accès. On en a parlé, un code d'accès, un nom, prénom, plus code d'accès. Ça peut être la mise en place d'outils spécifiques sur la gestion des identités, des accès. Et enfin, ça peut être plus complexe encore, le contrôle technique de vos bases de données pour vérifier que vous êtes toujours exact et complet. En termes de confidentialité, il y a des choses sur les trois volets, sur le volet juridique, organisationnel et technique. Juridique, on peut parler de clauses de non-divulgation pour éviter la perte de confidentialité. Ça peut être aussi des choses comme le marquage de vos documents quand ils sont confidentiels, pour éviter une erreur de collaborateur qui diffuse un document alors qu'il devait garder une certaine confidentialité. Ça peut être des mesures techniques comme le chiffrement des ordinateurs. On peut parler de pseudonymisation, voire de chiffrement bout en bout. Mais c'est des niveaux de sécurité qui sont déjà plus complexes à mettre en œuvre et qui sont à mettre en face d'un risque. On en parlait beaucoup de la disponibilité tout à l'heure, donc je dirais juste que la mise en place de sauvegarde restauration, c'est-à-dire prendre une image de votre environnement et pouvoir, en cas de dégradation de l'environnement des données, pouvoir les remettre en œuvre, c'est un premier niveau de sécurité. Et après, on peut mettre en place tous les processus qui permettent de vérifier que ça marche bien. Et enfin, je terminerai par la traçabilité. Traçabilité, ça répondrait aussi à votre principe d'accountability. Prouver que j'ai mis en place des mesures organisationnelles et techniques. Dans les systèmes d'information, dans l'industrie de santé, les audit trails, on a l'habitude de voir ça dans la validation de nos systèmes d'information. C'est ça, c'est je journalise les modifications qu'il peut y avoir. Donc ça peut être quelque chose d'assez simple avec la rétention au niveau de la machine qui fait la modification. Après, on peut centraliser toutes les modifications qui ont été faites sur toutes les machines pour voir s'il y a des corrélations qui permettraient de détecter une intrusion, par exemple. Et enfin, on peut mettre en place une mesure beaucoup plus lourde à mettre en place, un centre externe qui va surveiller toutes les sondes qu'il aura mis pour détecter tous ces indicateurs
pour voir s'il y a une intrusion ou la prévenir. On voulait prendre un exemple de réidentification parce qu'on parle beaucoup de pseudonymisation et d'anonymisation. C'est une présentation qu'elle a fait dans le cadre de l'AFCDP, donc une association de DPO, le docteur Bloom. Ça date un petit peu, c'était 2012. Il y avait une fonction qui était mise en place dans l'établissement qui, en fait, anonymisait, gardait les quelques informations qui sont présentes là, à l'écran, et il montrait qu'en fait, en recoupant ces informations-là, 89% des personnes étaient identifiables. Et s'ils faisaient deux séjours dans l'établissement, eh bien, en fait, on arrivait à croiser les données et arriver sur de l'utilisateur unique. Donc, voilà, la pseudonymisation et l'anonymisation, c'est des choses qui sont parfois complexes à mettre en œuvre. Et ce n'est pas une solution à tous les scénarios de menace. Donc, vraiment, voilà, c'était l'idée de cette slide. Pour terminer, Amaury vous a dit tout à l'heure que le 25 mai, c'était un début et qu'il fallait l'amélioration continue. C'est une notion qui est connue dans l'industrie de santé, notamment les dispositifs médicaux et les systèmes de management de la qualité. Mais c'est aussi quelque chose qui existe en informatique et notamment le système de management de la sécurité de l'information. Tout à l'heure, on vous a parlé d'ISO 27001, c'est un système de management sur la sécurité de l'information. Il faudrait changer le paradigme parce qu'il s'intéresse au bien de l'entreprise et le changer sur un focus sur la vie privée et donc sur les données de caractère personnel. Mais l'idée de sécurité de l'information du système de management est très bonne. La CNIL s'appuie dessus et participe à des travaux auxquels on participe à travers l'AFNOR de normalisation sur un système de management de la vie privée, la 27552. Mais l'idée reste la même, c'est-à-dire j'améliore toujours mon système de management. Il y a une acceptation des mesures et des risques résiduels par le management et je fais toute cette vision je mets en place toutes ces mesures et ça par rapport à une approche sur les risques. C'est je base mon approche de la sécurité de l'information sur les risques. C'est pour ça que l'ISO 27001 dont on a parlé tout à l'heure est une très bonne base pour se mettre en conformité et surtout préserver sa conformité dans le temps. On terminera par le surveiller et contrôler, ça va un peu dans l'amélioration continue, et ça permet aussi de répondre à son principe de responsabilité. C'est j'ai contrôlé que mes mesures étaient efficaces, j'ai surveillé que mes mesures étaient efficaces. Donc voilà, on remet le plan de check-out, je vérifie je planifie mes actions, je les mets en place, je vérifie que tout fonctionne bien, et s'il y a quelques écarts où tout ne va pas dans le même sens, je corrige ces écarts. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment la mise en place d'un système de management. Bon, c'est une maturité dans l'organisation qui n'est pas juste sur l'instant T et qui permet de s'améliorer et puis après de préserver sa conformité. Merci.